Dans cette vidéo, je vais essayer de terminer Minecraft, sauf que toutes les 3 minutes, un youtubeur va m'imposer des choix horribles pour me compliquer la tâche. Soit tu jettes tout ton stuff dans la lave, soit t'arrêtes maintenant la vidéo. Hein ? Vous l'aurez compris, ça va être très difficile. Mais attention, entre tous les choix qu'on va m'imposer, j'aurai un seul et unique joker qui va me permettre d'esquiver un des dilemmes impossibles. Bref, rien à voir, mais j'ai entendu dire que l'humain adorait faire l'inverse de ce qu'on lui dit. Donc surtout, ne vous abonnez pas à cette chaîne. Ça me déplairait très fortement, j'insiste, ne vous abonnez pas. Le petit bouton rouge là, ne cliquez surtout pas dessus s'il vous plaît. Bon, par contre, si cette vidéo a fait plus d'abonnements que habituellement, c'est scandaleux. À vous de me prouver, c'est YouTube a aucune logique. Et maintenant on passe à la vidéo. Bref, on est parti. On va essayer d'aller le plus vite possible pour pas se faire imposer trop de choix. Non stop, déjà tu vas t'en prendre un pour commencer. Oh bon, ok, c'est toi qui décides. Du coup tu dois soit te TP à côté d'un village, soit prendre 30 enderpearls. Oh, en vrai c'est giga intéressant, mais je pense que mon choix est vite fait les mecs. Les enderpearls c'est vraiment cool quand t'es en late game, parce qu'actuellement j'ai pas de bouffe. Je vais manger des cœurs et bah je pourrais juste plus courir. Et les enderpearls je pourrais les farmer plus tard. Alors que les mecs spawnent dans un village, je prends directement en début de la bouffe. Et en plus de ça du fer avec le golem. Donc bah je choisis le village. Vas-y, bah choix validé. Nickel, bah on commence avec un choix positif les mecs. On va en profiter avant que ça devienne trop dur. Donc je vais me prendre un max de bouffe. On sait pas ce qui peut nous arriver par la suite. J'espère que Yohan m'a pas préparé des choix trop farfelus. Bon, pour la bouffe normalement ça devrait être bon. Je vais aller me prendre un peu de cobble pour faire les outils de base. On va piller les maisons. Nickel, là normalement je peux tout me faire. La petite hache, la petite pioche et la petite pelle. Ouais, j'espère que je vais avoir un peu de chance sur la forge maintenant. Et attention, opening. Ok, 4 de fer, c'est pas mal. J'ai déjà une pièce d'armure. Non, ok, très bien, on se met bien. Je vais me faire le pain maintenant. Voilà. Top, ça fait 2 minutes. Vas-y, je t'écoute. Donc, soit tu mets ton jeu en hardcore, soit tu dois donner 10€ à une association d'enfants malades qui ont le cancer. Ah, c'est un peu délicat là. C'est pas pour faire le rat, mais je vais mettre le jeu en hardcore. Pour la vidéo, il faut mettre du challenge. Et mettre en mode hardcore, ça s'y prête parfaitement. Donc, au diable, les enfants malades, on veut du challenge. Oh non, je peux pas dire ça. Vas-y, ben, choix validé. Bon, pour l'instant, les mecs, les choix, ça va. On commence déjà à ressentir un petit peu la différence de mode de jeu. Je perds ma bouffe beaucoup plus vite. Là je vais me faire le golem rapido et on devrait être bon. Normalement il y aura pas de problème. Et voilà, ça part. Maintenant avec ça on va s'évoluer la pioche et la hache. Et maintenant il faut que je trouve un gravier pour le briquet. Non, avant que tu trouves ton gravier, tu vas devoir faire un nouveau choix. D'accord, et qu'en est-il cette fois-ci? Alors tu dois soit ne plus courir, soit ne plus sneak. De toute la game? Oui. Waouh, c'est chaud comme choix en vrai. Mais bon, entre les deux, je pense vraiment que je peux me passer du fait de sneak. Parce que courir, les gars, juste pour faire des sauts ou esquiver des mobs, c'est trop important. Ok, bah je suis validé, tu dois plus sneak. Ok, les mecs, du coup, ça commence doucement mais sûrement à se corser. Maintenant, les gars, là, j'ai tout pour pouvoir rentrer dans le nez. Non, oh le saut. J'avais oublié le saut, on va devoir partir en grotte. Allez, c'est pas grave, il y en a plein en face de moi. Alors, par contre, les mecs, j'ai un problème là. Si j'ai pas le droit de sneak, en fait, je sors comment du bateau? Est-ce que je peux le péter? Non, mais les mecs, je vais pas rester coincé dans le bateau là. Waouh, attendez, j'ai peut-être une idée de fou. Je vais me faire des dalles comme ça. De me créer un endroit où amarrer. Voilà, là je suis plus dans l'eau. Et d'après ma théorie, si je mets du feu sur le bloc, est-ce que ça me sort du bateau? Oui, let's go! Oh les mecs, je suis un génie! Bon, on retient ne plus monter dans les bateaux. Sinon, c'est juste trop relou quoi. Allez, nous maintenant, il fallait qu'on trouve du fer. Il m'en manque juste 2. Je crois que j'ai un petit filon ici. Alors, je saurais pas vous expliquer. J'ai cassé un fer, j'en ai récupéré 4. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Et en vrai, je me dis, tant que je suis là, autant essayer d'en avoir un petit peu plus. Comme ça, au moins, je pourrais me sécuriser avec un bouclier ou même une deuxième pioche. Mais par contre, regardez, je sais pas pourquoi. Je prends beaucoup plus de fer que ce que je suis censé en avoir là. C'est la nouvelle mage ou quoi? J'ai pas compris là. Maintenant, on va devoir se cuire tout ça. Bim bam boum. Stop. Prochain dilemme. Vas-y, qu'est-ce que tu vas préparer? Alors tu dois soit te guiser 64 steaks ou alors avoir 3 pommes cheats. Bah franchement là j'hésite même pas. Je vais prendre directement les pommes cheats. Que certes j'en aurai moins, mais en fait j'ai déjà de la bouffe qui remplace les steaks. Alors que les pommes cheats ça pourrait me sauver de ouf si jamais je tombe dans la lave ou quoi. Donc je vais me prendre ça. Ok, choix validé. Super, bah les mecs, pour l'instant les choix, vraiment ils nous mettent trop bien là. Y a pas vraiment de difficulté. Et en plus maintenant de quoi me faire tout ce qui me manquait tout à l'heure. Voilà, boum, le petit bouclier. Et là on est vraiment bien. Je vais pouvoir remonter et aller me chercher un lac de lave. Et je cherche, mais c'est compliqué à trouver, dis donc. Stop, prochain dilemme. Wesh, mais déjà. Vas-y, du coup, qu'est-ce que c'est? Soit tu te gives un bâton recul 2, soit tu te gives un arc infinité. Ah, je sais pas. Je me dis que le bâton recul 2, c'est assez fun. Mais l'arc infinité, bah, j'avoue que ça va être super pratique pour les cœurs de cristal de l'Ender. Mais les mecs, peut-être que repousser les mobs, ça va bien m'aider dans le Nether. Donc, je vais prendre le bâton recul. Allez, choix validé. Bon, bah, pour l'instant, les mecs, on a que du positif. Ça s'annonce plus simple que prévu. Mon problème actuel, c'est juste de trouver un lac de lave, du coup. Oh, les mecs, enfin, je vois un là-bas. Ça fait un bon moment que je marche. Je vais 100% taper un dilemme dans 30 secondes. Et j'ai oublié l'eau. Ok, alors. Si mes souvenirs sont bons, je vais essayer de pas le foirer. Stop, nouveau dilemme. Oh, vas-y, dis-moi. Soit tu fais le reste de la vidéo sans hache, soit tu le fais sans armure. What? Oh, les problèmes là. Qu'est-ce qui est le plus pratique? En vrai, j'avoue que je me suis habitué à jouer à la hache maintenant. Et l'épée, je trouve ça bien gaze. Et en plus, j'ai un bouclier qui me permet de tanker. Donc, les mecs, je pense que je peux me passer des armures. Donc, c'est ciao. Ok, choix validé. Bon, si je ne me trompe pas, je crois qu'il faut que je pose l'eau ici. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Bon, bah, let's go, les mecs. Ça a l'air de marcher. On est dream ou quoi? Allez, du coup, ça part. Nether sans armure. J'essaie de pas mourir, les mecs. Bon, bah, je crois que j'ai beaucoup de chance.
chance. J'ai spawn dans une forteresse, mais what? Bah là, les mecs, je vous promets, ça se passe juste trop bien en fait. Je vais équiper le bouclier pour être plus en sécurité. Oh, pardon, va falloir que je fasse gaffe là. Je me fais bombarder et. Wesh, mais. Ok, bon, je vais monter par là. Parce que faire des ponts, c'est très risqué. Je peux pas sneak. Et en plus, je me fais mitrailler, donc bon. Allez, ça part. Ils sont là, les blazes. Par contre, il y en a vraiment beaucoup. Et je suis en hard, donc c'est assez chaud, les mecs. Ils volent de très haut là. Oh, oh yeah. J'ai pas de vie là. J'ai pas de vie. Ok, ils se tuent entre eux. C'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Faut que je mange là. Il faut que je mange. Hop, je vais me faire une barrière. Je graille ça. Et ça repart. Ça repart. On est sur un. Vas-y, tire tes boulettes là. Et ça nous fait. C'est mort. C'est fini pour moi. Oh, j'ai un micro. Les mecs, je regrette mon choix de pas avoir pris les armures. Je sais pas comment je vais faire ça. Oh, j'avais oublié les pommes cheats. Ah bah voilà, c'est là qu'elles vont servir. Allez, ça part. Cette fois-ci en détente. J'ai résistance au feu. Normalement, ça me fait aucun dégât. Là, on fonce dans le tas. On s'en fout. On n'a pas à réfléchir. On a eu notre première blaze rod. Et maintenant, on va faire de la place pour que le spawn se fasse plus vite. Allez, faut que je me grouille. J'ai 3 minutes de résistance au feu. Et il me faut 7 blaze rod. Et il se passe quoi là? Je prends des dégâts là. Il y en a qui essaient de s'échapper. Ils spawnent sur les côtés, c'est un peu relou. Pour l'instant, les mecs, je crois que je suis assez bon. J'ai 2 blaze rod avec moi. Je me suis mis à l'abri juste pour être tranquille. Parce que mon prochain dilemme devrait arriver dans quelques secondes. Stop, prochain dilemme. Vas-y, bah je l'attendais. Alors, soit tu sautes tout de suite maintenant dans la lave. Ou alors tu fais une tour jusqu'au sommet de la map. C'est quel genre de choix ça? Ça n'aurait aucun sens de prendre le premier. Mais du coup, je vais devoir me taper une tour jusqu'à tout en haut de la map. Donc là, il faut que je mine des blocs. Oh, c'est trop chiant. Oh, mais non, les mecs, j'avais oublié. J'ai des pommes cheat. Du coup, je peux sauter dans la lave là. Je devrais pas prendre de dégâts. Bon, bah, je choisis ça. Ok, choix validé. Allez, ça part. J'espère juste que. Ok, c'était profond, parfait. Allez, maintenant, faudrait que je réussisse à terminer l'étape des blaze rod. Le truc, c'est que il me reste pas beaucoup de temps d'invincibilité au feu là. Et j'ai pas beaucoup de chance avec les loups. Waouh, waouh, waouh. Il est un peu trop près lui. Ok, ça va, ça va. J'en ai 4. Il m'en faut plus que 2. Quand ils font vraiment beaucoup de dégâts à cause du hardcore là. Et il me reste combien de temps d'invincibilité? Oh, 12 secondes. Ok, je me grouille. Allez, vite, please loot. Non. Ok, c'est bon. Je l'ai eu. J'en ai 5. C'est pas assez encore. Et là, je vais devoir regrailler une pomme cheat. Il va m'en rester plus qu'une à utiliser au bon moment. Allez, ça spawn. Et c'est bon. J'ai eu ma blaze rod. Boum, je peux me casser d'ici. Ok, stop. Prochain dilemme. Allez, s'il te plaît. Balance-moi un truc de positif. Eh ben, c'est simple. Est-ce que tu veux pouvoir sneak à nouveau ou remettre tes armures à nouveau? Oh, intéressant ça, les mecs. Sachant que là, on cherche le bastion. En vrai, je pense que remettre des armures, ça va être beaucoup plus utile. Voir sneak, je pense que je peux largement m'en passer. Donc, je vais prendre le choix des armures. Vas-y, choix validé. Bah, du coup, par contre, je suis un abruti. J'avais jeté mes bottes tout à l'heure dans la lave. J'aurais pu les garder. Mais non, bon, dommage. Du coup, je peux mettre que 2 pièces. Et maintenant, je vais me prendre un petit peu d'or pour pas me faire bolos par tous les piglins que je vais croiser. On est en hardcore, donc je crois que 2 coups suffiraient à me faire fumer la gueule. Je pense qu'après ce filon, normalement, ça devrait être bon avec l'or. Alors, ça fait combien de lingots tout ça? 7. Et je crois qu'en fait, je peux me faire un plastron et les jambes, c'est. Non, j'en aurais pas assez. Mais en vrai, c'est pas dur à trouver, les mecs. Parfait, il y en a juste là. Et ça part, on va pouvoir se mettre full stuff. Voilà, là, on est vraiment bien. Stop, 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 arrête-toi. Prochain dilemme. Vas-y, dis-moi, j'espère que c'est positif. Alors, est-ce que tu préfères te faire TP à un bastion ou alors te faire TP directement au stronghold? Oh, what? Alors, dans l'immédiat, je préférais aller dans un bastion. Mais en y réfléchissant, si j'avais pris les underpearls au début de la run, à la place de choisir le village, bah, en choisissant la TP au stronghold, j'aurais déjà tout ce qu'il faut pour battre le dragon. Donc, j'ai pas été très intelligent dans mes choix là. Du coup, je vais choisir le bastion. Ok, choix validé. Ah, attends, parce que. En fait, il y a un bastion en face de moi, donc. Est-ce que c'est utile? On va dire que. Ok. Ah, ça y est, je me suis fait TP les mecs. Bon, bah, du coup, vraiment, cette run se passe trop bien. J'ai même pas besoin des choix pour bien m'en sortir. Alors, par contre, ah ouais, eux, ils sont énervés. Oh, oh what? What? Oh non, quoi? Il m'a mis un coup, j'étais à 2 cœurs, j'étais full stuff. Ok, j'espère que les choix vont beaucoup m'aider à revenir dans la partie. Parce que là, je suis. Oh my god, je suis parti pour combien de temps là? Ok, stop. Étant donné ta situation un peu compliquée. Ah, tu l'as vu, ok. Soit tu respawn avec ton stuff, oh. Mais tu dois m'envoyer 100 euros. 100 balles! Ouais, c'est jamais de la vie, ok, ouais, le prochain. Ou alors tu respawn avec ton stuff, mais tu dois envoyer une photo de toi sans contexte à une abonnée. Ah! Mais c'est trop bizarre! Ça a plus aucun rapport avec Minecraft en plus là. Bah, évidemment, j'ai pas envie de dépenser 100 balles, donc je vais choisir le deuxième. Mais elle va me prendre pour un psychopathe en fait. Bon, de toute façon, je jette ça, j'en aurai plus besoin. Donc là, il faut que je trouve une abonnette présente dans le serveur Discord. Bon, alors, quel pseudo fait fille là? Ok, bon, je crois que j'ai trouvé cette personne au vu de l'app et du pseudo. Je pense que c'est une fille. Oh, mais en plus, elle m'avait déjà parlé. Wesh, non, elle répond. Mais non, mais ça va être trop bizarre envoyer ça sans contexte. Ok, je vais l'envoyer par mon téléphone. Je déteste faire ça, c'est trop bizarre. Non, mais what? En plus, il y a mon Snapchat, mais what the fuck? Non, est-ce que je peux me justifier ou pas? Parce que là, je te jure, j'ai l'impression de faire une Norman en fait. Ah non, 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 non. En plus, t'envoies des petits cœurs à côté. Quoi? Non, 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 non. Non, mec, c'est trop chelou. C'est trop chelou. Mais du coup, ce mec m'a ajouté sur Snapchat. Merde. Oh, en plus, elle joue à Roblox, c'était une enfant. Non, c'était de loin le pire choix que j'ai eu à faire. Allez, du coup, de retour au portail, je vais aller chercher mon stuff en volant. Et ok, c'était là. Je me mets juste en créa pour le récupérer. Oh, il a pas des spawns. C'est parfait. Hop, je récupère tout. Et on va pouvoir reprendre. Je vais essayer de faire plus attention. Par contre, ces chiens, je crois qu'ils ont volé mes armures en or pour les trades. Du coup, je suis à poil. Les gars, je sais pas comment je vais faire là. Ça s'annonce très, très, très compliqué. Et en plus, soit je suis aveugle, soit mon bouclier a complètement dépop. Bref, je suis à poil dans un bastion en hardcore. Probabilité de survie 3%. Mais bon, maintenant, au moins j'ai des bottes. Mais par où entrer sans me faire déglinguer par tout le monde? Ça paraît vraiment, vraiment dur là. Attendez, parce que ici, je crois qu'il y a qu'un ennemi. J'ai un plan. Je me dis que je vais le pousser avec le bâton recul dans une crevasse. Vas-y, viens. Ose venir. Allez. Oh, ça peut. Ah, j'ai un cœur. Please. Non, il va m'avoir. Non, 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 je peux pas me laisser faire. Allez, allez, tombe, 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 tombe.
NON! Bon, je vois que tu galères vraiment beaucoup. Oui, je suis pas très fort. Donc je te propose un truc, soit t'as une full armure P4 en diamant. Oh, ça c'est intéressant. Ou alors t'as 5 secondes de créativité. Oh, ça c'est encore plus intéressant. Franchement, si je suis méthodique, en 5 secondes j'ai peut-être le temps de prendre les yeux de l'Ender et en profiter pour prendre 64 diamants. Comme ça je peux me faire une armure pas enchant, mais j'aurai largement de quoi faire face au dragon. Donc je vais prendre les 5 secondes de créatif. Ok, choix validé. Ok, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, go! Allez, ça part. 1, œil, 2, tac, 3, diams. 4 et demi. Ok, c'est bon. 5. Ok, j'ai pris ce que je voulais prendre. Je crois pas avoir besoin d'autre chose. Je vais pouvoir me remettre en survie. Et là, on est reparti, les mecs. Je vais pouvoir me faire le full stuff. Ah, là, on se met vraiment bien. Le seul problème, du coup, ça va être la bouffe. Bon, par contre, là, les mecs, je me rends compte que j'ai potentiellement, sans faire exprès, sneak pendant cette vidéo alors que j'avais pas le droit. Notamment dans le Nether. Donc, écoutez, si vous avez remarqué un moment où j'ai sneak, n'hésitez pas à mettre en commentaire le timer au moment où je l'ai fait. Et dans la suite de votre commentaire, n'hésitez pas à me mettre un choix à faire comme Yohan a pu le faire. Dans le cas où on ferait un épisode 2 de ce concept. Comme ça, bah, ça vous fera participer pour l'épisode 2. Bon, trêve de blabla. Nous, on doit trouver le strong. Et c'est par là-bas. Franchement là j'ai tout ce qu'il me faut. Sur ma route je vais juste tuer des mobs si j'en croise. La bouffe ça va être le seul problème. Je vais me prendre aussi un petit peu de bois au cas où j'en aurais besoin. Pour quoi faire j'en ai aucune idée. Par contre vas-y y'a aucun mob frère. Je vais devoir me faire des bols. Bon, voilà je pense que ça devrait suffire comme ça. Ok stop. Ah un nouveau dilemme. Soit à partir de maintenant tu t'arrêtes pas de sauter. Ça veut dire que tu restes appuyé sur ta barre espace. Oh trop relou. Non. Ou alors à partir de maintenant tu restes en troisième personne. Oh, dans tous les cas c'est deux trucs trop relou. Donc soit je joue constamment en sautant comme ça les mecs. Ça franchement je sais pas si ça va être possible. Soit c'est la troisième personne. Ah, pff, c'est dur comme choix. Je sais pas, je vais prendre la troisième personne. Ok, choix validé. Allez, ça part. Oh, les mecs, je regrette déjà mon choix là. C'est insupportable. J'ai fait 400 blocs avec, j'en peux déjà plus. Oh, et par contre, les mecs, on est à côté du stronghold, donc ça c'est nickel. Ah, par contre, j'avais oublié de me faire une pioche. Allez, ça part de là. Ah, ça y est, les mecs, on y est. Je pense que ça risque d'être insupportable cette vue. Surtout dans les petits endroits comme ça là. Bon, maintenant, va falloir chercher, les gars. En plus, quand il y a des mobs, c'est d'autant plus compliqué. Oh, let's go. J'ai trouvé. Par contre, j'ai un peu du. Cassez-vous là. Oh, les mecs, c'est une galère. De jouer comme ça, c'est impossible. Ok, le truc. Et pété, j'ai pas le droit d'avoir d'épée sur moi. Ça, je les défonce. Je vois même pas où je vise, les gars, c'est insupportable. Ok, j'ai une stratégie. Hop, on va les faire venir, puis on va les enfermer. Ok, normalement, ils passent plus, je crois. Ah, si, les silverfish, si. Je vais mourir. Y'en a combien en plus? Mais what? Bon, je crois qu'ils peuvent pas venir si je me mets sur la lave comme ça. Ah, ils vont clairement venir là. Ils vont clairement venir. Mais j'ai jamais autant galéré contre des silverfish là. Cette vue du démon. J'ai pas de laine, j'aurais pu me faire un lit. Bon ça y est, je les ai fumés. Place aux choses sérieuses. Va enfin rentrer dans l'end. Et par contre le faire comme ça, je crois que je suis pas prêt pour la difficulté. Alors, on est où là? On est sur le bord. Ok alors prochain dilemme. Oh s'il te plaît, dis-moi un truc qui va m'aider. T'inquiète, alors soit tu te gives un arc infinité. Ouais. Soit tu te gives 5 lits. Oh j'avoue que le choix là est très intéressant. Mais en y réfléchissant. Oh, mais what? Je l'ai pas regardé. Non please. Ok, je suis en sécurité là. En y réfléchissant. J'avoue que jouer à l'arc pour les cristaux, ça va me rendre service. Mais étant donné que je suis en troisième personne. Je sais pas comment je vais m'y prendre pour viser en fait. Le truc c'est qu'avec les lits, je pourrais one cycle le dragon et du coup boucler ça en 2 secondes et puis basta. Donc je vais prendre les lits. Bon bah choix validé et en plus en prime t'as le droit de te prendre 2 obsidiennes pour one cycle le dragon. Ah bah merci, j'en ai pris 5 mais merci à toi. Alors comment je le one cycle maintenant ça... Ouah, les gars j'ai jamais fait ça, ça va être chaud là. En plus il faut que je me refasse à manger et du coup maintenant il y a plus qu'à attendre qu'il perche. Et je vais pas vous mentir les gars, je suis déjà mort une première fois dans l'end là. Je voulais couper parce que c'était un peu j'ai beaucoup ragé, voilà. Et du coup maintenant il faut juste un peu de chance. Mais wesh, ça fait 1 heure que j'attends. Oh ça y est, il est au mid. Je me suis pris un peu tard. Là, est-ce que j'aurai le temps? Oh, vraiment là? Oh non, il veut quoi lui? Non, les mecs, non, je peux pas mourir comme ça, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille! Non! Non! Please, c'est impossible de. Ok, je vais peut-être l'avoir. J'ai pas le temps de. Oh, je vois rien! Je vois rien, les mecs! Il est où? C'est lequel? Je sais pas où il est. Ok. On va manger, il est en bas, il est bloqué. J'ai eu très, très, très chaud là, les gars. Je vais devoir me refaire à manger. Oh non, il est revenu! Mais laisse-moi! Ok, problème réglé. Ah, j'ai plus assez de champignons. Je peux plus manger, voilà. Oh, ça y est, il arrive! Ok, alors, je dois mettre un lit comme ça. Et là je dois péter et je vois pas ce que je fais mais ça a pas l'air de trop marcher là les gars. What? Non laisse-moi revenir. Vite. Allez je peux. Oh mec. Bon je vois que t'es vraiment nul donc oui. Dernier dilemme. Dis-moi. Tu dois m'envoyer une photo de ton zizi. Bah du coup non ouais c'est quoi le prochain? Ou alors tu dois finir la vidéo. Ah bah...